J'aurais dû m'en douter. En ne voyant pas les autres venir, j'aurais dû m'en douter. Combien d'entre vous ils ont engagé? Assez. Un nouveau mur? Il y a des tas de nouveaux murs. Tout autour. Ça ne m'empêchera pas d'entrer. Ça vous empêchera de sortir. Vous entendez ça? On est pris au piège. Les 40 que nous sommes, par ces trois-là, ou quatre peut-être, ils n'ont pas les moyens d'engager plus que ça. Par groupe, on vient bien meilleur marché. Cinq hommes? Oh, même cinq, c'est pas ça qui va me donner beaucoup de mal. Vous n'aurez pas à vous en donner, si vous vous en allez. M'en aller? Je vais passer tout l'hiver dans la montagne. Il faudra manger, et où je vais trouver des provisions? Achetez-les, comme chacun. Ou bien faites vos récoltes de vous-même. Sept. Je ne crois pas que vous ayez résolu mes problèmes. Résoudre vos problèmes, c'est vous que ça regarde. Notre métier, c'est de faire parler le fusil. Le mien aussi. Comme ça, on est sur un pied d'égalité. On l'est comme concurrent. Pourquoi pas comme associé? Et si je vous offrais un marché à part égale? En quoi? Eh bien, en tout, jusqu'au dernier grain. Et les gens du village? Qu'est-ce qui deviendrait? C'est à vous de savoir. Les hommes de notre profession ne peuvent pas s'embarrasser de ces détails. Ça pourrait même être un sacrilège. Si le Seigneur ne voulait pas qu'on les tonde, pourquoi il en a fait des brebis? Qu'est-ce que vous en dites? Partez d'ici! T'entends ça, Sotero? T'as compris ce qu'il a dit? Allez-vous-en! À moi! Dis-lui de filer d'ici, avant que je me mette en colère. Dis-le-lui à lui et aux autres. Parce que si je m'en vais d'ici les mains vides, tout le monde dans le village en répondra devant moi. Le jour où je reviendrai. Vous ne reviendrez pas. Pourquoi ça? Vous n'aurez plus vos armes. Sortez vos revolvers et jetez-les. La générosité, ça a été ma première erreur. Je laisse un peu de maïs à ces paysans, ils engagent des hommes pour empoisonner le monde. Quelle leçon! Tôt ou tard, on finit par se mordre les doigts d'une bonne action.